Allô tout le monde. Et nous allons montrer comment on retire le filtre dans la machine. Ça relie l'huile filtre. Mais ça relie l'huile filtre. Ça relie l'huile filtre. En anglais, on prononce ça oil filter. So, ou même qui a les sous et l'huile ou sale, c'est parce que le plus souvent sous et l'huile ou sale, filtre ça qui ça le fait. C'est crasse qui après rentrer la machine là, pas l'huile là, tant que crasse qui tombe dans l'huile là qui après rentrer la machine là, lui même dit kembel pour lui pas vouloir entrer dans moteur pour moteur pas craser parce que depuis crasse entre poussière entrer, l'a craser moteur. Donc filtre le plus souvent, on va prendre l'huile là. Nous avons deux machines là aujourd'hui, nous pour montrer côté filtre aussi la machine ça ou même ou que dans la machine pour là, le plus souvent yo en bas mais la machine gagne machine tout ca jeune chita comme ça la machine. Donc par exemple dans truck ça soit aller ou après que filtre chita comme ça la machine là. Donc là 20 ça lui même si nous pour aller n'a garder en bas machine là mais le chita comme ça. Donc nous pour montrer deux bagay ko ka acheté pour ka servir ça lui même appareil ça lui même qui ça que il fait. Donc tout ça qui ça que il fait c'est vous doit mettre le comme ça et puis vous connaît que filtre à service le vice la machine là ouais côté c'est comme si vice le vice comme ça. Donc ou même vous prend appareil ça vous prend ça comme ça après vous virer comme ça pour retirer. Donc et puis ça lui même même qui vraiment important parce que ça, si que filtre à devant comme ça, juste à devant comme ça, le goût d'apprendre ou retirer comme ça. Mais des fois, t'as coulé en 20 ans, j'en filtre à camper comme ça, filtre à chuter comme ça. Des fois, c'est difficile comme ça pour c'est difficile pour mettre tout ça. Donc, c'est ça qui fait ça vraiment important. Quitte ça, c'est vraiment important. Ou juste chercher qui est là dedans qui fit lui. Ça a trop petit, ça a trop gros. Et. Ok? Ok, mais ça qui fit bien. Ouais, vous juste mettez la donne comme ça. Ouais, et tout, il vire avec. C'est comme si, il grabli. Ça m'a donné, et puis il vire avec. Et puis il vire avec. Et puis immédiatement, vous même, vous mettez clé ça derrière, clé ça que vous mettez la donne, et pour virer. Et pour virer. Si vous voulez tout, vous devez mettre ça au relais en ratchet. La donne, pour virer. Dans le cas, pas nous, nous allons retirer avec ça. Nous pouvons montrer comment que nous retirer la truck là parce que c'est ça je dis hein, que nous avons servi. Donc meni li là nous juste mettre le comme ça ouais nous mettre le comme ça nous rentrer nous chercher rentrer la filtre là nous rentrer le bon filtre là après ça n'a virer n'a virer ouais montre n'a virer n'a virer n'a virgule jusqu'à ce que l'on tige vraiment tant que là il vraiment regarde et puis nous même nous juste retirer là avec main ouais, ou juste tourner et puis mais puis le sortir et puis pas oublier mettre un bagage en balle parce que l'huile a sorti la donne parce que c'est là l'huile a passé pour le filtrer pour l'entrer en dans moteur. OK. Regardez, t'es bien vissé. Ok. Ouais. Mais vie. Ouais. Songez, moi dis nous gasket ça qui l'en tête filtre pas jamais retirer. C'est là, ouais. L'huile passe toute là. Sous retirer petit caoutchouc ça, l'huile a tombé, l'huile a volé, tombé en bas machine. Pas jamais retirer parce que tout vend ni avec. Ouais, yo tout vend ni avec. Grand peu monde qui fait ça. Le a prend place yo retirer pas retirer filtre bien content ou t'a regardé. Donc bien content que jodi ou t'a regardé ou comment que me retire un filtre jodi hein en l'huile filtre ou même ou ka l'acheter une et puis ou même garder côté le positionner machine ou pas besoin de faire mécanicien et il faut payer 1,20 million pour changer un filtre. Jodi a nous montre ou on a même tout ça ou gain pour faire m'a montre ou doit prendre un papier ou sinon et une toile ou nettoyer côté sur retirer filtre hein. Parce que gain vieux l'huile là dans tout ou retirer et puis m'a montre puis bas toujours comment lier ouais c'est comme ça chita la machine là et puis ou juste ouais ou retirer l'huile qui la tête là vieux l'huile là et puis et ou prendre le métal et puis l'autre là ou juste prendre l'autre là ou prendre les poils visser le même genre ouais genre ça sortir ou prendre ou visser le même genre. Donc merci à tout le monde qui t'a regardé. J'aime dire non, quel que soit le problème ou qu'a gagné avec une machine,
écrim ou sinon quittez un commentaire pour moi. Moi lis tout commentaire, m'appelle tout commentaire, c'est un channel qui fait commencer, m'appelle tout commentaire et puis quel que soit problème ou ta grande machine, problème électrique, c'est nous même qui pral bon, c'est nous même qui pral guider dans qui vidéo pour me faire. Mais prochaine vidéo, m'te vraiment envie faire c'est vidéo côté que m'pral monter nous comment pour faire frein dans machine là. M'a montrer nous m'a faire frein dans toutes les deux machines ça, m'a montrer nous comment n'a faire frein, comment pour nous changer brake pad dans machine ça. Comment pour nous changer rudder et brake pad de la machine ça tout dans tout caoutchouc. M'a montre, m'a besoin montre dans tout caoutchouc, mais m'a montre long caoutchouc qui soit besoin retirer immédiatement cousu faire parce que m'ta des brake pour faire frein la machine Haiti son paquet quoi. Ou même tout soit besoin ou pas besoin gain tout ça m'gain là. M'a dit comme ça ou m'a bon exactement qui ça que pour aller dans porte store là pour acheter et puis pour même pour faire maintenance machine. Ça c'est bagage qui c'est clé qui supposé être dans machine. Et j'aime dire là ma foi acheter des clés comme ça qui pas vraiment cher en Haïti ou abjenio qui pas vraiment cher donc on va acheter et pour même pour faire brique la machine ou faire frein la machine l'offre faire frein la machine ou pas besoin payer quelque au lieu qu'on va payer 700-800 dollars pour faire brique la machine donc si que vous même vous faites pourquoi ça c'est quoi vous économiser et puis machine va toujours être en bonne santé pas oublier abonner avec channel là poser question faire un zamou abonné un zamou connaît des machines fait li abonné li même tout li ka gon question li ka tande un bruit dans machine là comme ça tout nous go arrêter nous go rentrer en privé et moi ka aide parce que me connais gens situation en Haïti donc moi vle aider tout monde qui voit vidéo ça partagez-le sur un groupe fait moun yo garder pas garder que oh bah oui fait aider un haïtien vle aider communauté a vle haïtien comprendre ça les machines comprendre ça avec les machines pendant que nous l'on période de transition côté que nous pour aller la machine électrique haïtien de comprendre ça qui gasoline machine diesel machine gasoline donc si que vous même voulez comprendre qui bon pour vider l'huile la machine nous j'aime te montrer dans notre vidéo c'est là c'est ça ou ne garder numéro ça et puis ça qui sous cap là c'est lui même exactement l'huile là pour acheter j'aime te montrer nous ouais ça c'est 5W20 eh bien, vous achetez 5W20 pour mettre dans la machine. Même genre avec ça, sous l'autre machine, tout, vous avez toujours un numéro à sous lui. Toujours un 5W20 tout, et pour même acheter le mettre dans la machine. Ou même, quel que soit le problème ou bien avec la machine, écris, quitte un commentaire pour moi, et puis dis-moi comment moi ka aide. Et puis, invitons-en pour abonner à la chaîne. Merci en pile, à la prochaine.